What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière à laquelle on va parler de cette fameuse mise à jour, la 1.16. Il y a des explications, j'ai tout vous expliqué bien sûr dans cette vidéo là. Juste avant, je tenais à vous remercier de votre soutien, tout ça, parce que ces derniers jours, c'est vrai, vous êtes vraiment manifesté sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. J'en parlerai un peu en fin de vidéo. On va attaquer le sujet hein, qui est vraiment primordial dans cette vidéo là. À propos de cette fameuse mise à jour la 1.16 qui a été on va dire reculée, qui a été poussée en fait, repoussée donc de Rockstar. Normalement on devait la retrouver ou retrouver en tout cas des informations dans cette fameuse conférence de Sony en début de semaine, et on n'a rien eu jusque Rockstar a tout simplement dit comme quoi ils ont constaté qu'il y avait trop de lobby, glitch argent, des trucs comme ça qui a été présent. Et avant de mettre cette fameuse mise à jour 1.16, ils veulent juste supprimer en fait tous ces problèmes qu'on retrouve encore sur les serveurs. Donc cette fameuse mise à jour la 1.16 que tout le monde attend devrait apparaître la semaine prochaine. Souvent ils aiment bien le Rockstar mettre en début de semaine, donc à mon avis ça sera mardi prochain, mais ça reste à voir bien sûr. Mais voilà, en tout cas ça sera pas cette semaine là normalement ça sera la semaine prochaine. Il y a eu un petit décalage suite à des soucis avec ces lobbies, ces trucs comme ça, et on peut en faire un débat, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est juste c'est dommage, et donc forcément là on doit attendre. Mais bon, c'est Rockstar, ils aiment bien aussi prendre leur temps, on a pu le remarquer hein, avec ces fameux trucs. Et donc aussi forcément voilà, je vous dis comme quoi il y a eu du retard, ça a été expliqué par Rockstar. Mais quelque part, maintenant, on va parler à peu près de qu'est-ce que ça peut être, cette mise à jour 1.16, qu'est-ce qu'on peut retrouver réellement dans cette mise à jour. Alors, c'est pas compliqué, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on se retrouve avec un DLC, véhicule. J'en avais bien parlé avec des leaks, des trucs comme ça. C'était déjà un DLC en fait au niveau de l'armée à peu près. On a eu des leaks avec des avions de chasse, des trucs comme ça qui seront rajoutés. Donc il est possible que ce DLC 1.16 soit en fait ce type de DLC là. La deuxième possibilité, c'est, beaucoup en parlent, on en a beaucoup parlé, Rockstar en a parlé depuis quelques mois, je dirais deux mois, de ce fameux DLC Casino. Je pense pas que ça peut être le DLC Casino, moi je pense que ça sera plus un DLC véhicule, un DLC d'ailleurs avec des mises à jour du style, il y aura beaucoup moins de glitch, ils vont supprimer beaucoup plus de trucs là-dedans, mais surtout un DLC sur des nouveaux véhicules, et je pense sur des avions, des trucs comme ça. Le DLC Casino, je pense pas du tout, parce que ça aurait été annoncé à mon avis bien avant, ils auront annoncé Rockstar, ça va sortir pour la prochaine mise à jour, par exemple la 1.16, et ils l'auront prévenu, je pense. C'est un DLC Casino, c'est quand même un assez gros truc. DLC au niveau des braquages, ça aussi je pense aussi que ça aurait été annoncé en fait par Rockstar. Et surtout le DLC braquage, moi je le vois à la sortie en fait de GTA V sur les nouvelles générations de consoles. Voilà, donc au niveau des braquages, ça sera pas celui-ci, il y en a beaucoup qui en parlent. Alors moi j'étais en vacances, enfin je faisais ma pause YouTube, à propos de ce fameux DLC zombie. Beaucoup en ont parlé tout ça, et je pense pas du tout. En fait, Rockstar, enfin ça a été... Ça, beaucoup de gens ont parlé, enfin je regarde un peu plus sur ce fameux DLC zombie parce que j'étais en pause, en fait je faisais ma pause YouTube, donc je sais pas trop là-dedans, mais je pense pas, ça aurait été largement annoncé, et puis je vois pas du tout un DLC comme ça arriver en 1.16, un DLC zombie. Ou alors la dernière possibilité, c'est tout simplement un DLC, enfin pas vraiment un DLC, c'est tout simplement une simple mise à jour 1.16 qui recueille tout simplement, il supprime les glitches, les trucs comme ça, donc c'est plus une mise à jour correcteur, hein, tout simplement pour corriger correctement le jeu. Moi, mon avis personnel, et je pense qu'on a tous un peu notre avis, c'est pour ça que vous pouvez me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, c'est vraiment qu'on va se retrouver dans une situation à laquelle il devrait sortir normalement mardi prochain, donc la semaine prochaine, en début de semaine, et que ça sera un truc du style, un DLC avec des véhicules. Je vois pas juste maintenant mettre une mise à jour avec tant d'attentes pour tout simplement supprimer des glitches, supprimer des trucs comme ça, je le vois pas du tout. Je pense que ça sera plus un truc du
style DLC véhicule. J'ai mis DLC véhicule parce que voilà, en fait, ça sera plus spécialement au niveau tout ce qui va être aéronautique. Donc au niveau des avions, voilà, on se retrouve un peu plus là-dedans. Je pense dans le mode online, ça sera vachement plus cool de se faire des combats un peu dans les airs et ça sera vachement plus intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Merci de me dire tout ça dans la barre des commentaires. Je tenais vraiment à vous remercier en fait en cette fin de vidéo parce que, on va dire depuis ces 80 000 abonnés, je me suis dit que quand j'allais les atteindre, je vais complètement renouveler ma chaîne, la remettre à zéro et redémarrer à zéro. Et il y en a beaucoup qui ont vu ça et je tenais à vous remercier. C'est pour ça aussi que j'ai mis des snaps sur l'écran parce que voilà, je vous filme mon snap, snap personnel à laquelle je réponds à tout le monde. Ça prend du temps, mais je pense que je peux au moins prendre du temps pour vous à répondre à des snaps. Il y en a qui me posent des questions, des trucs comme ça. Il est, pour moi, il est vraiment nécessaire au fond du cœur de vous y répondre parce que vous m'avez offert cette opportunité-là d'être youtubeur et d'avoir des viewers. Et moi, je vous offre cette opportunité-là d'être proche avec vous. Et je le fais avec grand plaisir. Voilà, sachez-le, je le fais vraiment avec grand plaisir. J'ai eu des soucis auparavant, que ce soit avec ma copine, enfin plein de trucs privés. Et c'est vrai que ma chaîne, elle ramait quoi, on n'en pouvait plus. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie de recommencer. Et je tenais vraiment à vous remercier. Demain, il y aura une vidéo vraiment particulière, une vidéo speech motivation que je tiens à cœur cette série parce que j'aime beaucoup aider les gens. Et puis, alors, j'ai pas un grand vécu, j'ai juste eu un problème d'hospitalisation auparavant, qui n'était pas grand-chose, c'était juste une syphose, scoliose. Enfin bref, je pense que la plupart des gens qui me suivent depuis longtemps le savent. Et c'est pour ça en fait que depuis j'ai eu ça, j'ai voulu commencer à aider les gens. Et maintenant, c'est un peu une passion que j'ai, c'est vraiment aider les gens. Et dans le futur aussi sur ma chaîne, on va toujours retrouver cet esprit-là, cette mentalité-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a un abonné qui m'a appelé sur mon téléphone et je tenais à le remercier sur la vidéo, je pense qu'il va la regarder. Et je tenais à le remercier aussi parce que ça m'a fait extrêmement plaisir son appel d'encouragement. De me dire que j'essaye de rester le plus proche possible de mes abonnés et que même si je commence à avoir pas mal d'abonnés, je reste la même personne et ça m'a fait vraiment plaisir et c'est un peu le but de ce que je veux faire. Je veux rester exactement la même personne. Voilà, merci pour tous les gens. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, vous faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, on aura pas mal de vidéos informatives à propos de ce jeu là, à propos des DLC et tout ça. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement, voire demain, pour une vidéo de motivation et puis après pour des petites vidéos de Good Day News. Peace out.